Ima et Bruno Pelletier. Écoute, ouais. Un témoignage d'amour bien mérité. Mais je sais, sans mots. Je suis juste heureuse qu'ils sont là avec moi, parce que comme ça, les gens aussi vont savoir que ce n'est pas juste moi. Ce sont des grandes voix, des grands artistes. Je ne mérite pas ça. Tu ne mérites rien, je sais, tu ne mérites rien. Non, mais je mérite pas cet amour. J'adore, Vince, moi je peux le taquiner. Comme ça. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce que tu as dit en parlant de mérite, parce que tu as dit quelque chose que je comprends. Tu as dit que l'admiration pour quelqu'un qui est capable de chanter, tu ne la comprends pas, c'est non, un don, c'est naturel. Absolument. Aucune admiration pour le talent. Pourquoi? Parce que c'est naturel, parce que c'est un don. C'est un don. Donc tu restes en admiration des gens qui... Qui travaillent fort. Je comprends. C'est ça, tu vois, pour moi, c'est important. Travailler, donc faire de notre mieux pour accomplir quelque chose. Mais des gens qui ont le talent, de, pour moi, chanter pour moi ou composer une chanson, c'est naturel. Mieux. Donc, je ne vois pas l'attention de oh, « moi, j'écris des chansons, moi, je chante bien ». Oui, mais tu as travaillé aussi pour t'améliorer. Comme tu as dit au début de l'émission, apprendre, c'est primordial. Jusqu'à la fin de tes jours, c'est quelque chose. Je vais mourir comme un étudiant, absolument. Donc, ce n'est pas comme tu prends ça pour acquis. Tu travailles ton art. À mon avis, oui, oui, oui. Je travaille pour être un homme meilleur. Alors, c'est ça, mon travail intérieur, pour améliorer mon intérieur, ma personnalité. Non, mais qu'est-ce que tu voudrais changer? Ouais, par exemple, les défauts... Comme quoi, Vince? Comme, tu sais pas, les défauts naturels de tout homme. La déception, l'envie, la jalousie, oui. Le besoin de s'affirmer. Ce sont des cancers qu'on a... À l'intérieur de soi. Je travaille pour soigner tout cela. Mais je pense que ça aussi, ça a changé depuis que tu es devenu père, parce que tu as deux merveilleux enfants, Michaela et Simon. Exactement, ça a été une thérapie incroyable. Mais des enfants magnifiques parce aussi. Parce que tu commences à conjuguer les verbes vraiment avec le « tu » et pas avec le « je ». Tu changes vraiment la priorité des pronoms sujets. Tu permets, parce que tu viens de dire quelque chose, qu'il n'y a pas de mérite pour quelqu'un qui a un talent qui est naturel, mais il y a du mérite pour quelqu'un qui n'a que 12 ans, ta fille Michaela, qui s'est rasé la tête pour... Pour ramasser des fonds pour le camp. Pour le front qui... Des longs cheveux jusque-là. Des longs cheveux, comme ça, elle était la seule dans l'école. La seule. La seule. Avec une fille qui venait de perdre son père. Oh. Donc, elle n'avait pas cette motivation profonde de le faire parce qu'il y avait un père. Donc, Michaela a décidé de l'accompagner là-dedans. Tout le respect pour ma fille, pour Michaela. C'est vraiment quelque chose. En admiration totale. Et Simon, maintenant... Et Simon... qui était au lancement avec son petit... appareil. Oh, c'est incroyable. Tu dis qu'il sort d'une phase où il était en amour avec sa mère. Absolument. Ah, ouais, il y avait une phase où, papa, tu es mon rival, tu es mon ennemi. Maintenant, il est mon buddy, il est mon compagnon, et mon chum. Qu'est-ce qu'il pense du musicien? Oh, il est en adoration. Aujourd'hui, il me demandait, est-ce que tu vas rencontrer Sonia? Oui, c'est une émission, c'est une entrevue. Donc, on va la, il est complètement intéressé à tout ce que j'ai fait. Ça me fait plaisir. Est-ce qu'eux, ils ont ce don musical? Absolument. Je ne sais pas s'ils vont poursuivre Est-ce que tu as peur qu'ils vont poursuivre là-dedans? Ou... Moi, je veux qu'ils fassent ce qu'ils veulent. C'est ça. Je ne vais pas leur empêcher de faire ce qu'ils veulent. Mm. Il y a des instruments dans ma maison. Ils nous entendent chanter. Ils chantent magnifiquement bien. Oui. C'était inévitable. Bien sûr, avec Je ne sais pas s'ils vont... C'est un métier tellement difficile, Sonia. Mm. Tu le sais. Nous le savons. Je le sais. Tellement avec des facteurs inconnus qu'on doit considérer. Oui, qui ne sont pas dans notre contrôle. Voilà, mais j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit. Tu as appris avec le temps, avec la vie, avec tes amis, avec tes proches, à voir le progrès que tu as fait et non le chemin qui te reste à faire. Absolument. Enjoy the path, enjoy the journey. Oui. Moi, je suis là pour m'amuser dans le parcours. Et c'est pour ça que... Je suis relaxé aujourd'hui. Oui, je te sens. Oui, je me sens très, très, très bien. Je me sens très bien. J'ai failli beaucoup de fois. Mmh. Abandonné. Et oui. Je t'ai jamais cru. J'ai été abandonné. Je veux que tu saches que je t'ai jamais cru que tu pouvais abandonner. Non, je ne peux pas abandonner. Mais tu as été abandonné. Oh, j'ai été abandonné plusieurs fois, pas des amis. Ça arrive. Mais je te connais, ça blesse. Ça blesse beaucoup, oui. Ça blesse quand c'est des grandes amitiés. Absolument. Oui. Est-ce qu'on guérit de ces blessures ou non?
Non, on apprend à être ami avec les blessures. Il y a des douleurs qui restent gravées, tatouées sur notre peau. Bien sûr, des cicatrices. Oui, des cicatrices, mais on apprend à les reconnaître, à les apercevoir. Et ça inspire d'autres chansons éventuellement, je pense, n'est-ce pas? Absolument, ça inspire d'autres chansons. Revenons à l'album Romantico. Pourquoi tu as choisi certaines de ces chansons? Comme par exemple, si je te demande pourquoi tu as choisi la chanson de Toni Braxton, Unbreak My Heart, qui est une chanson que j'adore. Elle est magnifique. Le fait déjà, Diane Warren. Oui, qui est une grande auteure. Mon Dieu, elle est incroyable. Déjà le fait d'inventer un mot comme Unbreak. Comment est-ce qu'on peut dire ça en français? Il n'y a pas de possibilité de dire dans un mot. Mais ça, c'est l'anglais. Ça, ne casse pas mon cœur, mais c'est même pas ça. C'est même pas fais en façon que mon cœur revienne à l'état où avant que tu l'aies c'est cassé. C'est incroyable. Juste avec un mot, Unbreak My Heart, qui n'existe pas vraiment. Donc, tu vois, ça m'avait, le titre d'une chanson m'avait vraiment touché, surpris, et la mélodie. Une chanson tellement latine, tellement... Quelle est ta préférée sur l'album? Oh, mais tu me demandes de choisir un enfant. Tu veux que je te le dise? C'est une chanson écrite, composée par Charles Aznavour. Pourquoi j'ai posé la question? Pourquoi tu l'as posée? Parce que c'est une chanson composée en anglais. Une chanson, oui, c'est vrai qu'elle a été composée. Je trouvais toujours un peu trop pathétique, un peu trop... Mélodramatique, absolument. C'est ça, oui. Et moi, j'ai eu le goût de la réarranger complètement. Oui. Et j'ai choisi la personne à qui je tiens beaucoup, infiniment. Et ça, c'est toi. Et donc ça, le fait de t'avoir dans cet album, Sonia, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Pour moi un aussi. Rêve profond. Et c'est la chanson que j'adore et que je préfère dans cet album. Qu'est-ce qu'il va dire à mon émission? Qu'est-ce qu'il va dire? J'aurais été très fâchée avec lui s'il avait choisi une autre chanson, quand même. Je ne suis pas folle. C'est exactement ça. Tu es tellement adorable. Regarde, I love je t'adore. This. Moi, j'en profite, chers amis. Nous allons faire une courte pause. Continue. Et nous allons à la pause avec une chanson qui se retrouve sur cet album que j'adore. C'est la version italienne de la chanson de George Michael, Careless Whisper, avec Io non ballerò, que voici Vincenzo Thoma sur son album Romantico. Non c'è perdono per il male, sai, ho perso tutto quel che avevo. Io lo so, non ballerò mai più come ballavo con te stanotte. Salut Vincenzo, c'est Marie-Hélène. Écoute, je voulais juste encore te remercier pour Une force en toi, la magnifique chanson qui me suit depuis des années maintenant, puis que je chante encore en spectacle. C'est une merveille, puis merci. Puis garde mon téléphone est là pour tes appels, si tu veux. Écoute. Ben là, c'est comme rendu, là, c'est quasiment ridicule. Là, tout le monde... Non, mais c'est quand même, après 17 ans de travail... C'est comme ça doit être, je te sens très émue. C'est parfait. Parce que je sais comment tu as travaillé fort. Et j'aimerais juste dire que tu n'as pas volé ta place. Je veux que tu dégustes de ces paroles et que tu savoures les commentaires des gens qui t'aiment, avec qui tu as travaillé pendant très longtemps. Tu réalises un rêve, hein, Vince? C'est vraiment un rêve. Sur cet album, je sais que c'est correct. J'aime te montrer, Dieu, qu'il est beau, même, tu sais. Je trouve ça important de le dire, Vince, parce que je sais ce que Merci. Tu as vécu et comment tu as travaillé et comment tu as donné. Et je sais, j'aimerais juste dire aussi, en tant que quelqu'un qui écrit ses propres chansons également pour soi-même, tu as toujours écrit des chansons extraordinaires pour les autres. C'est-à-dire que tu n'as jamais hésité à donner ce Absolument. Que toi, tu pensais était peut-être une de tes meilleures chansons. Quand on me demande de créer une chanson, je plonge dans l'artiste. Complètement. Absolument. Donc, je deviens l'artiste qui m'a demandé la chanson. Qu'est-ce que tu as ressenti comme Marie-Hélène Thibert t'a demandé une chanson? Qu'est-ce que tu voulais pour elle? Qu'est-ce que tu sentais? Elle était quoi? Je voulais que la chanson reflète la représente. Quoi? Je voulais Quelle que la chanson réfléchisse sa
sa sensualité, mais aussi sa tendresse. C'est une fille tellement tendre. Il a une fragilité gentille, que j'aime. Une fragilité, mais une voix qui est sa force, qui est vraiment le contraire. Qui contrecarre sa fragilité. C'est ça, à mon avis, le succès et aussi le charme de Marie-Hélène. Oui. Cette possibilité de harmoniser les contraires. Oui, et avec Rock Voisine, on a vu un extrait de son vidéoclip. Grand cette voix. Chanson est une grande, grande chanson. Comme quand il a entendu Comme, il a rouvert son album Chaque Feu, un album incroyable. Oui. Il a voulu reprendre cette chanson. Pour moi, c'était encore une fois un rêve. C'est des grandes voix. Je te regarde et je me suis dit, matin, j'ai une idée pour un autre album. Tu pourrais refaire toutes les chansons que les autres ont fait, que toi, tu as écrit. Ça aussi. Est-ce que tu as un gérant, Vince? Écoute, on va faire regarder ça, tout ça. Je te le dis, Sonia. Mais je sais que cette aventure a quand même... J'étais là durant ton lancement. Il y avait quelque chose, une effervescence, présence. Les journalistes étaient là. Les artistes étaient présents. La famille, les amis. Il y avait comme... On sentait que c'était le bon timing. C'était le bon timing. Et on était même en train de parler déjà d'une suite à ça. Oui, on pense... Moi, j'ai déjà les chansons de Romantico 2. Vraiment? Elles sont là, oui. Est-ce que tu peux nous dire une ou deux, ou tu ne peux pas les dévoiler parce que tu attends? Ou je une sais personne pas. Que j'aime beaucoup, oui. S'appelle Sonia Benezra, m'a fait connaître une chanson qui s'appelle Le Blues de Businessman. Oui. Moi, je la fais dans tous les concerts en italien. Je sais. Et c'est je toi qui me, la, qui me l'a fait connaître parce que moi, je n'étais pas Ça, c'est le grand Claude Dubois et Luc Plamondon. Dieu, du Claude Dubois et du Plamondon. C'est une chanson magnifique, je la fais en italien et les gens réagissent tellement bien. Est-ce que c'est trop à te demander de faire une phrase du Blues du Businessman en italien? Je sais que je ne suis pas correct. Non, je peux. Gli amori vanno bene, sai. Gli amori vanno e vengono come le segretarie poi. Avrei voluto essere un artista per fare, sai, il mio numero. C'est dommage. Dommage que tu ne l'as pas fait avec du feeling, mais quand même, je pense qu'on a eu l'idée, hein, chers amis. C'est comme... Je ne sais pas si le son... Quand tu fais cette chanson sur scène, c'est vraiment extraordinaire. Et des fois, j'ai des bonnes idées, il faut le dire. Écoute, c'est ton idée à toi. Oui, celle-là, je voulais absolument que tu la fasses. J'aurais fait le petit bonheur. Moi, je suis le traducteur officiel de la chanson de Félix Leclerc. C'est incroyable. Tu es le traducteur officiel. Officiel approuvé par la famille Leclerc. C'est incroyable. Donc, oui. Évidemment, reprendre une chanson de Félix Leclerc, absolument. La même chanson, ça serait extraordinaire. Ça serait une très bonne idée. Qu'est-ce qui s'en vient maintenant avec cet album? L'album est sorti, la réaction est bonne. On va faire un lancement aussi dans d'autres villes du Canada. Oui. Je sais qu'il y a une très belle communauté italienne à Toronto. Donc, bien sûr. On songe à faire un lancement à Toronto aussi. Oui. Et après, moi, je veux connaître le Québec. Moi, je veux connaître ma famille québécoise. Parce que c'est moi, je me sens québécois. Et je veux connaître cette province. Donc, voyager à travers le Québec, même avec une guitare. Oui, je suis prêt pour m'en aller avec une guitare et chanter dans les territoires du Québec. J'adore cette langue, j'adore cette gens qui m'ont donné. Oui. Les Québécois m'ont donné une terre. Oui. Moi, je me sens Québécois. Je sais que tu te sens avant Québécois. Je parle incidemment italien. Mais dis-moi quelque chose, c'est très intéressant ce que tu... Quand tu retournes en Italie et à Rome, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est un retour chez toi ou non? Je t'avoue, les premières années que je revenais en Italie, l'italien me surprenait. Je me sentais... Dans le métro, j'adore prendre le métro, l'autobus. Mais quand j'entendais les gens parler italien, oh mon Dieu! Où suis-je? Tu te sens chez toi, tu as trouvé ta place. Moi, je me sens chez moi ici. Oui. Ça, c'est mon chez moi, je l'ai trouvé. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça t'a pris du... Mais ouais, tu as été très persévérant à tous les niveaux, par contre. Donc, ça, c'est ma famille, ça, c'est ma terre. Oui. C'est comme si j'étais né ici. Oui. Regarde. Mais j'ai quelque chose à partager, une culture italienne, une langue que je partage avec mes élèves, des chansons peut-être. Regarde, je songe à chanter en français. Nous sommes déjà rendus à la fin. Je souhaite que tu vas chanter en français dans toutes les langues que tu veux. Je te souhaite tout le succès que tu mérites. Merci, Sonia. Et je suis ravie d'avoir pu partager cette heure avec toi et de chanter en duo sur ton album, mon beau Vincenzo Thoma. Merci. On se laisse sur le seul vidéoclip qu'on a pour cet album. Peut-être un autre sortira sous peu. Io non ballerò, che voici Vincenzo Thoma, l'album Romantico disponibile maintenant.